Je sais pas ce qui m'a pris. J'étais censé la conduire jusqu'aux lucioles et m'en aller. On a traversé la moitié du pays ensemble. Elle voulait donner un sens à son immunité. Peut-être que j'ai fini par croire à cette histoire de remède. Peut-être que je faisais ça pour son bien. Et puis on est arrivé. On a trouvé les lucioles. Grâce à elles, ils allaient enfin pouvoir faire ce remède. Le seul problème, c'est que ça l'aurait tué. C'est pas vrai. Docteur ! Qu'est-ce que vous faites là ? Vous ne pouvez pas la prendre. C'est notre avenir qui se joue ici. Pensez à toutes ces vies qu'on pourra sauver. Papa est très en colère. Putain de merde. Bisous, Broco. Bon courage pour le support. Qu'est-ce que t'as foutu ? Je l'ai sauvé. Allez, Ellie. Bloquez les sorties! On le lâche pas! Bordel. Ça, c'est... Quel merdier. Ellie est au courant. Je lui ai dit qu'ils avaient fait des tests. Je lui ai dit que son immunité servait à rien. Et elle y a cru d'après toi ? Elle a jamais dit le contraire. On devrait y retourner. Alors déjà, j'ai des choses à dire. Alors, peut-être baisser un tout petit peu le son du jeu. Peut-être que je baisserai encore un peu, hein, parfois, mais il faut qu'on m'entende bien par-dessus. Ça devrait être bon. Déjà, graphiquement, je suis étonnée d'être aussi scotchée parce que le jeu, je l'ai fait maintes fois. Hein. Bon, c'est la première fois que je le fais sur version remastered. Mais je suis quand même époustouflée. Alors je sais pas si vraiment le gap graphique est significatif, mais je suis quand même éblouie. Donc c'est que ça doit être un peu le cas quand même. Et aussi dans la manette. Alors c'est aussi parce que j'ai réglé la manette de manière à ce qu'elle vibre bien comme il faut là.
Mais putain, en termes d'immersion manette en main, je trouve ça assez fou. Rien que sur la cinématique, tous les minuscules chocs et tout ça, on les ressent directement dans la manette. Et j'ai hâte de tester les armes et voir comment la manette se comporte avec les différentes armes. Je pense qu'on ressent déjà le poids des armes et tout, le recul. Avec les gâchettes de la manette PS5 et j'ai hâte de tester ça. Ah, c'est beau! Ah, c'est sublime. J'adore cette scène. Cette vue, là. Je suis un peu émue de refaire le jeu encore une fois. Ça doit être la 20e fois que je le fais. J'ai envie de rien louper, quoi. J'ai envie de tout voir. Tous les petits détails. On sent carrément le poids du cheval dans la manette et tout. À chaque fois que... qu'il met une patte au sol, on sent le poids. Je sais pas comment dire. Les vibrations, c'est quelque chose hein, dans la manette. Et du coup j'ai peur d'avoir peur parce que le jeu ne me fait plus peur, je sais où sont les ennemis du coup. C'est rare que je me laisse surprendre. Mais là du coup comme il y a des vibrations dans la manette, il y a moyen que je sois surprise par les vibrations plus que par le son des ennemis. Écoutez... ce que tu m'as dit tout à l'heure. Je crois bien que j'aurais fait exactement pareil. J'emporterai ton secret dans la tombe. À plus tard, Tommy. Genre là, je vais taper à la porte, je l'ai ressenti dans la manette. C'est trop bien en vrai. Une de ces trouilles. J'ai frappé à la porte, mais... Salut. Salut. Tu voulais quelque chose ? Rien de spécial. Tu sais... Tout le monde est très impressionné par toi. Par la façon... dont tu sais... te rendre utile. C'est cool. Ouais.
Avec Tommy, on s'est baladé l'autre jour et... Il m'a raconté une blague et j'ai pensé à toi. C'est... Ah, j'ai dû oublier. C'était une histoire d'horloge. Quelle est... Joël, écoute, il est super tard et je dois me lever tôt demain matin. Ouais, c'est vrai, je sais. Je vais pas te déranger longtemps. C'est juste que... Je voudrais te montrer un truc. Donne-moi juste une seconde. Qu'est-ce que c'est ? Par ici, les gens appellent ça une guitare. Sans deck. Je peux te jouer quelque chose ? Ok. Super. Tu me promets que tu vas pas te moquer de moi. C'est promis. Je te le jure. Je compte sur toi. On joue dès maintenant ? Putain, j'avais plus ce souvenir. I can see our future days, days of you and me. Bravo! Et voilà, c'est tout. Eh ben... C'est pas si mal. Je prends ça comme un compliment. Elle est pour toi. Oh non, 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 je saurais même pas comment la tenir. Je t'ai promis que je t'apprendrai à en jouer. Je dirais d'une première leçon d'un soir. Pendu. Ok. Ok. Est-ce que... La blague t'est revenue ? Tu sais quel est le comble pour une horloge ? C'est de te voir tuer le temps. C'est vraiment... Ouais. Allez, dors bien.
Bravo!